Un long entretien exclusif avec Brigitte Macron. Le magazine Paris Match dévoile dans ses colonnes ce jeudi 30 avril 2020, le quotidien et le ressenti de la femme d'Emmanuel Macron, en plein dans la crise sanitaire du coronavirus. En plus de ses occupations et ses visioconférences avec des hôpitaux français afin de gérer les subventions d'urgence, la femme d'Emmanuel Macron s'entretient avec d'autres premières dames, toujours à distance. Après un appel avec Kim Jong-suk, la femme du président de Corée du Sud et Ermin Erdogan, l'épouse du dirigeant turc, un autre appel a également marqué. Brigitte Macron s'est longuement entretenue avec Melania Trump, First Lady des États-Unis. Les deux femmes ont bien entendu échangé sur la pandémie mondiale du Covid-19. Contrairement au discours d'apaisement de Donald Trump, sa femme est plus inquiète. Brigitte Macron a évoqué le choc de la première dame américaine face à l'ampleur de l'épidémie à New York, un des foyers du Covid-19 aux États-Unis. Comme avec les autres premières dames, la conversation a tourné autour des masques, des tests que tout le monde cherche, avoue Brigitte Macron. Difficile de penser à autre chose. Entre le confinement de la France et des États-Unis et les aléas du calendrier diplomatique, les deux femmes ont réalisé qu'elles ne se reverraient pas en 2020. Une situation critique aux États-Unis, les politiques sanitaires des deux présidents restent très éloignées. Pendant que la France se prépare au déconfinement progressif à partir du 11 mai, les États-Unis subissent de plein fouet les conséquences du virus. Après avoir conseillé aux Américains de s'injecter du désinfectant pour combattre le coronavirus, entraînant de graves accidents domestiques dans le pays, Donald Trump a assuré le 29 avril qu'il reprendrait ses déplacements aux États-Unis, continuant de minimiser la situation.